se trouve au bout du cap. Et quelqu'un s'y est installé sans rien nous demander. Apparemment, c'est une mercenaire qui veut faire des affaires à Junon. C'est Kyrie, ça. Hein? Attendez une minute. Vous la connaissez? Ouais. Ah bah ça alors, ça tombe bien! C'est sans aucun doute le destin qui nous a réunis! Le truc, c'est que ce phare, on s'en servait comme tour d'observation à l'origine. Comme il y a pas mal de créatures dangereuses ces temps-ci, on aimerait bien pouvoir le récupérer. Si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourriez demander à cette personne de partir? Elle se serait fait un nom grâce à de nombreux exploits à Midgar et dans la prairie. Mais franchement, c'est très louche. Parce que bon, qu'est-ce qu'elle fait au juste, cette mercenaire? Personne ne sait vraiment. Il est juste là-bas, au bout du cap. Du temps de la République, il servait à guider les navires. Mais bon, c'était il y a des lustres. Quoi qu'il en soit, c'est à l'écart et plein de créatures dangereuses. Il n'y a personne qui va aller jusque là-bas pour louer les services d'une mercenaire. Oh, merci beaucoup. Quel soulagement de savoir que je peux compter sur votre aide. Quelqu'un s'y colle avec moi? Qui, moi? Ça sent les ennuis à plein nez. Dans ce cas, ça fait de moi le candidat parfait. Ah, au fait, si vous avez un peu de temps, vous devriez aller faire un tour vers la colline. Avec de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir le condor, qui sait. Si ça vous intéresse, allez-y. Coucou tout le monde, on se retrouve sur Final Fantasy VII Rebirth pour la quête, le phare publicitaire du Cap. Allez, après la cinématique que je vous ai montrée, on y va, c'est parti. Donc, direction le phare, voilà, donc il faut retourner ici, on va pouvoir monter. Voilà, hein, vous vous rappelez avec Kyrie. Ok. Elle a rien à faire là. Allons-y. Voilà, on redécouvre un petit peu le lieu. Il va falloir monter tout en haut pour retrouver Kyrie. Soyez les bienvenus. Je suis la célèbre mercenaire Kyrie. Mes services. Ah, ben mince alors. Je croyais avoir des clients, mais ce n'est que mon cher collègue. C'est gentil d'être venu me voir, mais c'était vraiment pas la peine, tu sais. Je ne suis pas ton cher collègue. Arrête de te prétendre mercenaire. Et pars d'ici immédiatement. Non, mais tu te prends pour ma grand-mère à me donner des ordres comme ça? Et puis, au cas où t'aurais oublié, c'est entièrement à cause de toi que j'en suis arrivée là, Cloud. Oh, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Junon en espérant faire des affaires. Mais personne n'a jamais entendu parler de mercenaires dans le coin. Aucune réputation et donc aucune offre de travail. C'est pas comme ça qu'on va faire fortune. Oh. Dans ces circonstances, j'ai pas eu d'autre choix que de lancer une campagne publicitaire pour vanter nos mérites. Enchanté. Oh, mais comment t'es trop chou, toi! Dis, tu voudrais pas être mon animal de compagnie? Allez, viens ici. Tu veux pas? Eh ben, tu sais. Oh, c'est comme pour mon business. Malgré les nombreux efforts que j'ai faits, j'ai toujours pas vu le moindre client jusqu'à présent. Si ça continue, ma réputation de PDG et de chef du marketing va en pâtir. Par conséquent, j'ai préparé un petit quelque chose pour remédier à cette situation. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ça, les gens vont rappliquer, on en rien de tout. À mon avis, c'est sûrement tout ce vacarme qui les a attirés. Hey, Cloud, tu pourrais les éliminer? Après tout, ce genre de boulot, c'est pile dans tes cordes, pas vrai? Si t'es une mercenaire, t'as qu'à te débrouiller toute seule. Allez, sois sympa, s'il te plaît! Ah, en échange, je te donnerai ça. J'en veux pas. Cloud, si on ne fait rien, ça risque de m'infini. Charge-nous.
Ok, ok, on y va pour les combats. Vous allez voir, il faut tout simplement enchaîner, hein, comme elle nous le dit. Il y en a plusieurs. Donc les flancs. Je regarde au cas où, hein, bien sûr. Ok, faiblesse feu. D'accord. Enchaînement enflammé, voilà. Choc. Ça fait mal. On y va. Fin de battue. Ils sont faciles, hein. Jusque là. Après, vous allez voir qu'il y en a d'autres derrière. Les flammes fulgurantes. D'accord. Au bout d'un moment, vous en avez jusqu'à 3, voire 4. Hein. Bien cédé de Aerys à ce moment-là. Enfin, moi, je l'avais pour ça. Les mousses blanches. Plus compliqué, déjà. Ils ont pas de faiblesse, des immunités à plusieurs choses. Hein. Donc, il faut réussir, bien sûr, à leur faire des dégâts élémentaires, les mettre en fragilité. Donc, du synchronisé floraison magique. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors oui, vous avez vu, à un moment donné, donc ils peuvent nous manger et nous faire des dégâts à l'intérieur, ok. On continue, voilà, maintenant la sauvagerie concentrée. Donc faites bien, bien sûr, R1 et essayez de faire au maximum vos attaques synchronisées. Hein, vous avez vu, hein, au bout d'un moment, on peut les utiliser et c'est quand même vachement bien. Voilà, battu. Ici, il risque, elle continue à s'occuper de lui. Morsure sanguinaire. On a la limite de Nanaki, que j'adore. Et on arrive à la fin, c'est gagné. Ah, voilà une bonne chose de fête. Mais c'est pas dans cet endroit infesté de créatures que je vais réussir à attirer des clients, j'ai l'impression. Au moins, tu en auras tiré une leçon. J'ai pas le choix. Je crois que je vais devoir renoncer à faire du business ici. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. Je compte sur toi pour faire le ménage, mon cher collègue. Eh, mais... Tu veux venir avec moi? Allez, viens par ici, mon grand. Un de ces jours. C'est le genre de personne qu'il vaut mieux tenir à distance. C'est rien de me dire. Les amis! Il y a eu une annonce bizarre, et quand j'ai mis le nez dehors, j'ai vu que ça grouillait de créatures. Mais on dirait bien que je me suis inquiété pour rien, finalement. Vous êtes d'Avalanche, après tout. Alors, vous en êtes où avec la mercenaire? Elle est partie. Ah, excellent. Bon, bah, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Mais au fait, Rhonda m'a dit qu'à vous aussi, ça vous arrivait de travailler comme mercenaire. Pourquoi vous l'avez pas dit dès le début? Y a pas de quoi le cacher. Bref, si j'ai encore besoin d'aide un jour, je vous appellerai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour cette quête. Merci pour vos j'aime et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt.